La première chose que je voulais simplement resituer par rapport à tout ce que je vais vous dire, c'est l'intérêt du jeu dans le sens jeu ludique pour l'apprentissage, notamment chez les plus jeunes joueuses, d'accord, les plus jeunes catégories. Le jeu, il y a plusieurs choses qui sont très très importantes, c'est qu'il va permettre un apprentissage qui va se faire à travers des choses qui vont être entre guillemets inconscientes, c'est-à-dire que les jeunes vont être dans la motivation, respecter un petit peu les contraintes données et les règles du jeu, et qui font qu'on va pouvoir arriver à ce qu'on veut par rapport à des objectifs un petit peu plus précis, les déplacements les uns par rapport aux autres, collaborer ensemble, etc. Donc l'intérêt du jeu est vraiment très très important chez les plus jeunes. Outre l'aspect ludique, il y a des vrais objectifs d'apprentissage et de savoir et de collaborer pour jouer ensemble. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter à la fois des petits jeux qui vont être justement sur une collaboration un petit peu collective pour arriver à des choses un petit peu plus complexes sur comment on fait pour mettre en place un jouer ensemble, entre guillemets. Hein. Après, ça reste aussi une philosophie et une réflexion un petit peu plus générale. C'est-à-dire que quand on a des joueurs qui arrivent vers le haut niveau, la première réflexion des entraîneurs pros, c'est qu'à un moment donné, généralement, ils savent courir, ils savent techniquement faire des choses, mais ils ont un problème dans la lecture du jeu. D'accord ? Il y a souvent, on entend dire ça, qu'on a un problème dans la lecture du jeu. Lecture du jeu, ça veut dire quoi ? Ça veut dire se déplacer correctement les uns par rapport aux autres, savoir faire la passe là où on veut et correctement. D'accord ? Et pas comment, parce que comment, c'est un élément technique, mais savoir faire la passe au bon moment, couper au bon moment, etc. Justement, ce travail-là, généralement, on attend très longtemps avant de le faire, de le mettre en place. Parce que c'est difficile, quand sur des plus jeunes catégories, de mettre en place des choses pour apprendre à la lecture du jeu. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour apprendre à lire ? Ok, à part... si on fait du 2 contre 1, 2 contre 1 c'est un exemple très simple, c'est-à-dire qu'à un moment donné je suis à 2 contre 1, soit je vais pouvoir shooter parce que le joueur il est resté sur mon contre-attaquant, soit le joueur il vient et je vais faire la passe. D'accord ? Donc là on a une lecture de jeu très basique, mais qui est une lecture de jeu. Donc ça on peut arriver à mettre en place certaines choses pour arriver à, sur des choses très simples. Mais collaborer ensemble, c'est difficile de tout de suite mettre des joueurs ou des jeunes joueurs 5 contre 5, et on va dire, bah là, voilà, on va essayer de jouer ensemble et comment on va faire. L'utilisation des jeux va vous permettre de passer des étapes par rapport à ça. Okay ? Donc l'idée, au début, c'est de commencer sur... Vous montrer l'utilité du jeu sans qu'on soit sur du travail de passe ou quoi que ce soit. On va faire des petits jeux très simples. On ne va pas y rester très longtemps. Ça va en même temps les échauffer un petit peu pour la suite. Et après, on va partir sur des jeux où on va être plus en collaboration. C'est-à-dire travailler ensemble, se déplacer ensemble et essayer d'avoir des phénomènes de se placer les uns par rapport aux autres. D'accord ? Donc moi, je reviendrai, j'interagirai avec les joueurs sur les situations que je vais mettre en place pour essayer de vous montrer l'utilité et comment on peut faire pour aller vers ce qu'on recherche. L'objectif, à un moment donné, ça sera forcément, quand on a un jeu collectif, ça sera un jeu collectif qui sera un jeu collectif forcément vers l'avant, qui sera un jeu de passe et un jeu de mouvement. Mais ça, c'est, entre guillemets, comme moi, je vois le basket. Forcément, si pour vous, le basket se résume à aller chercher l'agressivité, hein, qui peut l'être, c'est-à-dire du jeu de 1 contre 1 ou du jeu de, pour les plus grands, de pick and roll, pourquoi pas, hein, enfin, après, peu importe. Moi, l'intérêt, c'est qu'il y a une vraie, dans la construction du jeu, il y a une vraie construction par rapport à se déplacer les uns par rapport aux autres, jouer ensemble et trouver du mouvement. Voilà. Donc, on va faire d'abord des petits jeux très simples. Vous allez vous mettre par deux. T'es tout seul ? Super, bah, tu seras le chasseur. Ok, parfait. Donc, vous allez vous donner la main. Très bien. Et le jeu, il est très simple. Toi, tu vas essayer de toucher tout le monde. Ok ? Vous avez... pas le droit de vous décrocher. Si vous décrochez, vous êtes touché, etc. Okay ? Quand vous êtes touché, vous faites un pont. Un pont. Alors, comment je vais faire un pont ? Hop, je vous montre, ce sera très simple. Hop. Ah oui. Voilà ! Magnifique ! Ok ? Très bien. Pour libérer celles qui sont, ou ceux qui sont
en train de faire un pont, il faut passer dessous. D'accord ? Si vous voulez libérer, je suis pris. Pour les libérer, il faut passer dessous, d'accord ? Pour qu'ils soient libérés, à deux, bien sûr. D'accord ? C'est bon ? Est-ce que vous avez compris ? C'est bon ? Toi, l'objectif, c'est d'essayer de toucher tout le monde. Tu te débrouilles. C'est parti, vous êtes tout le terrain. Allez, allez, allez. Ah, on commence à voir. Vas-y, vas-y, jouez, 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 jouez. Je croyais que je commençais à avoir un comportement différent, mais c'est pas grave. Stop, 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 parfait, stop. Très bien, stop, stop, parfait. Restez comme vous êtes. Donc, qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans ? D'accord ? C'est qu'à un moment donné, le joueur qui est chasseur, il va avoir une stratégie. D'accord ? Même s'il est tout seul, et là, ce jeu-là, vous pouvez, là, on n'est pas assez nombreux, hein, on peut imaginer qu'on pourrait être plusieurs chasseurs. Quelle est la stratégie qu'il va pouvoir adopter. D'accord. Si, non, mais allez-y, vous êtes là aussi pour vous faire en profiter. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est qu'à un moment donné, si vous avez touché quelqu'un, qu'est-ce qui va se passer ? Voilà, il y en a d'autres qui vont aller libérer, d'accord ? Donc il va falloir que tu fasses un choix entre quoi ? De toucher eux ou ceux qui vont en faire l'autre. Voilà, c'est-à-dire soit tu dois protéger, soit tu dois essayer d'aller toucher. Donc, il y a toujours cette dualité quand on commence à avoir des jeux, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va aller chercher est-ce que je vais aller toucher, mais pendant ce temps, il y en a d'autres qui vont se libérer, d'accord ? Ou est-ce que je suis dans une sorte de protection et j'attends que les joueurs viennent libérer ? Ok ? Mais toute cette dualité, c'est tout ce qui se représente, d'accord, dans le travail, dans le jeu. Dans le jeu. Je suis là, mon joueur il est loin, est-ce que je suis plus capable, est-ce que je peux prendre un tir ? Mon joueur il est prêt, qu'est-ce que je fais ? Je suis en défense, je suis loin, etc. Donc le jeu, à chaque fois, dans sa globalité, va donner les travers du basket, toujours. Alors, à différentes contraintes, à différents niveaux, mais ça, on sera toujours là-dedans. Donc ce qui est important, c'est à travers les jeux de développer ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quelle stratégie je vais adopter ? Et donc après, la difficulté, c'est d'adapter les contraintes, les mettre en place pour que le jeu soit cohérent et qu'il soit facilitant ou qu'il soit difficile. Ça dépend, d'accord, de ce que vous allez rechercher. Mais il faut trouver le juste milieu par rapport à l'équipe que vous avez et ce que vous allez rechercher. Bon, voilà. Il y en a plein des jeux comme ça, on va en faire un autre, mais on ne va pas rester là-dessus, parce qu'après l'objectif c'est d'aller sur des jeux avec ballon, notamment de passe. Vous avez toujours part d'eux. Approchez un tout petit peu, parce qu'on a un grand gymnase, un grand terrain, c'est super. Accrochez-vous, comme ça. Comme ça, on accroche comme ça. Très bien, vous aussi accrochez-vous toutes les deux comme ça. Très bien. Et vous, décalez-vous. Très bien. Toutes les deux, vous allez être chasseurs. Non, une va être chasseur. Moi. Toi, très bien, parfait. Et vous, vous allez être les souris. 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 Bah oui, c'est un chasseur, il y a des souris. Ou un chat, une souris. Non ? Tu veux pas une souris ? Tu veux quoi ? Non, mais... Autre chose ? Bon, peu importe. Alors, ici, le jeu, c'est très simple. C'est accroche-décroche. Pour pas se faire toucher, il va falloir que tu viennes près d'un des groupes. Quand je suis accroché, toi, tu es obligé de partir. D'accord ? Si je m'accroche de l'autre côté, c'est l'inverse, etc., etc. D'accord ? Ok ? Quand on est touché, on change de statut. Quand on est touché, si elle te touche, c'est toi qui deviens chat. D'accord ? Si elle te touche, c'est toi qui deviens chat, etc. Et c'est bon ? Celle qui part d'ici, elle fait quoi ? Eh ben, elle essaie de ne pas se faire toucher. Elle va où elle veut, pas au même endroit. Voilà, il devient souris. C'est bon ? Allez, go, c'est parti ! Stop, 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 stop ! Oh là 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 ! Stop, 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 stop ! Je me suis mal exprimé !
On recommence. Bah tant pis, vous aurez tous les deux souris. Vous, vous bougez pas. Ici, ça, ça bouge pas. Ça, ça bouge pas. D'accord ? Vous avez des solutions pour les gens qui vont venir se délivrer. Mais vous bougez pas. Il peut pas nous. Non, non, il ne peut pas vous toucher. Toi, tu dois toucher uniquement les deux qui sont là. D'accord ? C'est bon, vous, vous bougez pas. Vous bougez pas. Hein, vous accrochez, décrochez simplement. C'est bon ? Rapproche-toi un petit peu s'il faut. On va peut-être se décaler, c'est bon ? Allez, go, c'est pas... Voilà, très bien. Hop, voilà, c'est ça, c'est ça. Allez, allez, allez. Très bien, voilà, allez, touche-la. Très bien, ok. Allez, c'est toi le chat. Très bien. Ok, très bien, c'est toi le chat là-bas. Allez. Bien. Allez, allez, allez. Voilà, très bien, c'est toi le chat. Allez, 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 allez. Ok, pas trois, pas trois. Allez, 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 allez. Non, non, vous n'êtes pas accroché, vous, vous n'êtes pas accroché, vous. Allez. C'est toi le chat, c'est toi le chat, c'est toi le chat. C'est toi le chat, oui. Oui, c'est toi le chat. Allez, ok, très bien, allez. Allez, 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 tu peux la toucher, t'as le droit. Mais il y a lui, Charlie. Ok, très bien, très bien. D'accord, etc., etc. Vous imaginez qu'on peut être beaucoup plus nombreux, parce que ce qui est intéressant dans les jeux, c'est que vous pouvez, on peut se mettre à grand, c'est-à-dire qu'on peut entraîner avec beaucoup de joueuses, et ça n'empêche pas le jeu de se dérouler. Après, il faut s'adapter dans ce que vous allez faire. Ok. Donc ça, c'est important. Merci. C'est important de pouvoir travailler là-dessus. Qu'est-ce qui se passe ici? Si on prend un petit peu le jeu, simplement, c'est qu'à un moment donné, on va se déplacer pour regarder où c'est qu'on va pouvoir se sauver pour qu'on libère quelqu'un. Alors, si on est un petit peu vache, on peut très bien y aller tranquillement, se libérer au dernier moment pour faire toucher notre copain si on veut, enfin, etc. Après, il y a toute la malice qu'on peut avoir dans le travail du jeu. OK ? Tous ces jeux, on peut les mettre en place. Bien sûr, avec ballon, etc. Ce n'est pas l'objectif vraiment, ça. Je voulais juste simplement mettre en place deux petits jeux pour vous montrer l'idée. Hein. Les joueurs sont rentrés facilement dedans, ce qui est normal. Sont rentrés dedans facilement et c'est toujours l'objectif. À chaque fois, ça sera facile. On va passer. Vous allez vous mettre. Est-ce qu'il y a des chasubles? Vous avez des chasubles ou pas? Non, on a des autres t-shirts. Des autres t-shirts. Mettez quatre t-shirts autres. On va travailler dans la... Pour pas, parce qu'il est grand le terrain, on va travailler dans ce... Allez, les cinq blancs. Très bien. On va jouer dans ce... Tiens, il y a un joueur ou une joueuse blanche qui va se mettre dans l'intervalle ici. Là, derrière une rouge. Très bien. Une joueuse ou un joueur noir qui va se mettre dans l'intervalle en face. Toi, tu es avec les blancs? Là, là. Derrière une rouge. Dans l'intervalle, tu vois qu'il est résumé par le rectangle. Les autres, vous venez là, vous rentrez sur le terrain. C'est bon? Ok. Donc, jeu en passe. Jeu très simple, généralement qui se fait souvent avec les plus petits, ce qu'on appelle le joueur but. D'accord? Vous avez déjà tous entendu. Les noirs, avancez. Non, pas toi. Ok. Et donc, l'objectif des blancs ou des noirs, ça va être d'aller faire la passe au joueur qui est dans l'intervalle. D'accord. À chaque fois que le joueur il rattrape la balle, ça fait un point pour son équipe. Et si vous voulez, pour changer, c'est-à-dire qu'une fois que tu as récupéré, tu donnes la balle à l'équipe adverse et vous changez le joueur ou la joueuse qui est ici. C'est bon. On joue sans dribble. Vous avez le droit à ce que vous voulez pour l'instant, d'accord. Donc là, bien sûr, ça va, vous allez voir les différences qui vont se passer. Enfin, moi, je le vois, je sais déjà ce qui va se passer, parce que vu les gabarits et vu comment ça va se passer. Et l'objectif qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, il va falloir l'adapter pour qu'il y ait des contraintes supplémentaires, par exemple. Et sur les plus petits, ça sera aussi des choses qu'il va falloir amener différemment. C'est bon? Donc il y a 4, vous jouez 4 contre 3, hein, peu importe, c'est pas très grave, vous serez... OK. On va jouer sur
on va dire que c'est la ligne blanche ici, là, qui fait la limite, et puis la ligne blanche au fond, la ligne de fond là-bas. C'est bon ? Vous êtes prêts ? Ça joue, c'est parti. Allez, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Allez, allez, ça joue. Hop, balle noire, balle noire, balle noire. Go, ça joue, tout de suite, tout de suite. Prenez. 1-0. Allez, go, allez. Ah, reste dans ta zone. C'est pas grave, c'est bien. Allez. 2-0. Ok, top, très bien. Donc, ok, tout le monde s'en doutait, c'est logique, puisque, entre guillemets, le gabarit permet à ce moment-là de pouvoir faire des grandes passes et de, donc de déplacer la balle plus facilement. On aurait des joueurs ou des joueuses qui seraient des U7, U9 ou quoi que ce soit, la difficulté pour aller chercher la balle serait différente. Donc il y aurait un trajet un petit peu différent. Okay ? Donc là, c'est une évolution. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que même dans ce petit espace, vous avez pour amener la balle à votre joueur but, vous êtes obligé de faire une passe dans votre trajet de passe, vous êtes obligé de faire une passe en arrière. Ah, d'accord ? Un joueur qui sera derrière vous. C'est bon ? J'ai la balle ? C'est clair ? C'est bon ? C'est prêt ? C'est parti, ça joue. Allez, ça joue. Ok, allez, changez tout de suite. Hop, on redonne. Allez, go, go, tout de suite les blancs. Allez, go, go, allez. Allez, go, balle blanche, ça joue, ça joue, ça joue, allez. Très bien, allez, tout de suite, allez. Allez, allez, allez. Balle noire, balle noire, il n'y a pas eu de passe en arrière, allez. Ouais, ok, très bien. Ok, c'est bon. Donc, l'idée de la passe en arrière, d'accord ? L'idée de la passe en arrière, c'est pas simplement pour se faire plaisir, pour dire qu'on fait une passe en arrière, d'accord ? C'est que la passe en arrière va nous apporter un soutien. Il faut, quand on travaille sur un jeu qui veut développer le travail de passe, il faut toujours penser qu'on va devoir avoir besoin d'un soutien. C'est primordial. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans le jeu, même dans le jeu après sur demi-terrain, il va falloir qu'on puisse trouver quelqu'un en soutien. Et ça, il faut l'apprendre. Il faut l'apprendre d'une manière ou d'une autre, mais à un moment donné, il faut pouvoir se retrouver pour trouver un travail en soutien. Si je veux avancer, tiens, mets-toi derrière moi. Voilà, et toi, mets-toi devant moi. Tiens. Décale-toi ici. Voilà. Quelquefois, pour arriver devant, il va falloir que je puisse avoir un soutien, c'est-à-dire qu'il va falloir que je puisse m'aider de quelqu'un en arrière pour pouvoir après transférer. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, je vais faire bouger les défenseurs qui vont être avec moi pour les amener à l'endroit où je veux. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'aller directement à l'endroit où je veux. Okay ? Il faut qu'à un moment donné, je puisse m'appuyer sur d'autres choses. D'accord ? C'est un petit peu général ce que je vous dis, mais c'est très très important si on veut développer un jeu qui veut même aller vers l'avant. Donc il faut toujours avoir un travail de soutien. Donc, ce jeu-là, forcément, il sera adaptable. Bien sûr qu'après, sur des choses un petit peu plus... là, ils ne sont pas assez nombreux. Après, on développera sur d'autres choses. On pourra les voir un peu sur tout le terrain, sur des choses un peu plus... un peu différentes. Jeu suivant. La passe à 10. Vous connaissez tous la passe à 10, d'accord ? Donc, c'est pareil. On va... Par contre, bah non, les blancs, c'est pareil. Une de plus, il n'y a pas de souci. Donc, on va jouer sur le demi-terrain. Non, on va jouer sur tout le terrain, puisqu'on a un grand espace. Et on va jouer à la passe à 10. C'est bon, la passe à 10 ?
La seule contrainte pendant ce temps que j'ai, c'est que vous n'avez pas le droit de faire la passe à celui ou à celle qui vous l'a donné. Simplement ça comme contrainte. Ok ? Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, ballon blanc. Allez. Donc forcément, on n'a pas forcément équilibré les groupes, mais c'est pas grave. Allez, 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 allez. C'est pas grave. Ok, très bien. Les groupes ne sont pas forcément dans le bon équilibre pour pouvoir avoir d'opposition. C'est pas, on va rester comme ça, c'est pas grave. Au contraire, on va aller rechercher ça autrement. Vous mettez les blancs, vous mettez ensemble et vous prenez un numéro sans le dire de 1 à 5. Les noirs aussi. Oui, mais il y a quelqu'un qui va arriver. Mais allez-y, allez-y, allez-y. Donc après, la difficulté dans la passe à 10, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Ça peut être la passe à 4, c'est-à-dire que quand vous, s'ils n'arrivent pas à faire 4, 5, 10 passes, bah vous allez à 4, vous allez à 5, vous allez à 3, peu importe, vous adaptez. D'accord ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Donc, maintenant, on fait la même chose. Passe à 10, d'accord ? Sauf que vous êtes obligé de donner au numéro suivant. Tiens, viens. Allez, c'est parti. Et tu prends, redistribuez vos numéros. C'est bon ? Donc, on va faire le même jeu, passe à 10, sauf que 1 doit donner à 2, 2 à 3, 3 à 4, 4 à 5, 5 à 1, etc. etc. C'est bon ? Allez, pour vous. C'est parti, ça rechonne. Ok, ok, très bien. Très bien, très bien, très bien. Donc, l'idée par rapport à ça, c'est pendant ce temps, personne connaît les numéros à part leur équipe. D'accord ? Donc, c'est intéressant parce que l'équipe adverse, eh ben, elle a une stratégie. Soit elle va essayer de s'adapter, soit elle va essayer de voir, etc. Soit elle ne va pas s'adapter et elle va continuer à courir après. Deuxième chose qu'on peut faire, c'est que tout le monde connaît les numéros de tout le monde. D'accord ? Et on va pouvoir mettre en place peut-être des stratégies qui vont être différentes suivant les équipes. Ok ? Donc, classez-vous de 1 à 5 ici et de 1 à 5 là-bas. Là, là, mettez-vous de 1 à 5. Allez. Ou de 1 à 5. On fait une nouvelle coupe, là ? Non, 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 non. Si vous voulez, mais je m'en fous, mais le 1, il est où ? 1, là. 2, 3, 4, 5, en face. 1, qui est 1 ? 2, 3, 4, 5, c'est bon ? Ok, donc maintenant vous connaissez les numéros de vos adversaires. Ça ne veut pas dire vous devez prendre vos adversaires, hein, vous faites ce que vous voulez. Ok ? L'intérêt du jeu aussi, c'est qu'à un moment donné, quand je vois les réactions de certains ou certaines, c'est aussi de développer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va transgresser les règles, on va essayer d'aller chercher, on va faire des stratégies, on va essayer de mettre d'autres choses. Et ça, là, ça devient intéressant. D'accord ? Développer des choses, c'est-à-dire qu'on ne reste pas là. On nous a dit de faire comme ça, etc. Donc le jeu va nous permettre d'aller chercher d'autres choses, d'engager des choses. Donc pour certains, c'est très important, notamment pour des jeunes joueurs. Vous êtes prêts ? On va jouer sur demi-terrain, là. On va jouer sur demi-terrain. On doit toujours faire la passe à celui, pareil, hein, de 1 à 2, de 3, etc. etc. Ok, c'est bon ? Vous êtes prêts ? Ça joue. Sans tenir, ça serait bien. Sans tenir, ça serait bien. Allez, 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 on se débrouille, hein.
Ok, balle noire, go, ça joue. Allez. Ok, top, on revient sur le demi-terrain. C'est bien, c'est bien, c'est bien, on revient sur le demi-terrain. Vous êtes prêts? Ouais, à moi, ok. Allez, ça joue, c'est parti. Allez, 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 allez. Allez, blanche. Et blanc. Joue, 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 joue. Allez, go, go, go. Blanc, blanc, blanc. C'est pas grave. Top, 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 top. Stop, stop. T'as quel numéro? Et alors, tu vas passer à qui? La 4. Allez, c'est parti. Allez, tout de suite, à qui? Ah, bien. Ok, c'est bien, c'est bien. Ok, top, top, très bien. D'accord, donc simplement, au fur et à mesure, il y a une adaptation qui se passe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont compris qu'il fallait faire la passe à un certain numéro. Ils sont mis à plusieurs, etc. Donc bien sûr que ça va bloquer le jeu, mais aussi c'est l'objectif. D'accord? Simplement la réflexion. On a eu pareil à un moment donné. Il est où le... Je me rappelle plus le numéro 2. D'accord? Je suis numéro 1, je ne sais plus qui est le numéro 2. Voilà, ben, c'est des choses qui sont importantes. Déjà, là, dans la communication, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ben, il faudra peut-être aussi communiquer un peu plus, d'accord, pour pouvoir donner des espaces, etc. On revient sur des domaines très précis, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je suis en train de courir, eh ben, à un moment donné, il va falloir que je me démarque si je veux avoir la balle. Si j'en ai en plus 4 ou 5 derrière, c'est plus compliqué. Donc tous les éléments techniques qui vont nous permettre après de développer le jeu de passe, ils vont entrer à travers inconsciemment dans le jeu. C'est une obligation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir que je puisse m'arrêter et repartir. Tout ce que j'apprends dans mes fondamentaux, il va falloir que je les réutilise. Et inversement. Même chose. Donc on peut mettre d'autres contraintes hein, sur la passe à 10. Parce que des mains de passe main droite, que des passes main gauche, que des passes à terre, que des passes en l'air. On peut imaginer que des passes en suspension si on veut. Enfin voilà, on peut... Voilà. On va en faire un autre. Vous mettez un blanc, un noir par binôme. 4, 1. Peu importe, peu importe. Allez, dépêchez-vous. Ok, il me faut deux binômes ici. C'est pas facile les mots que j'utilise. Je dis, bah, quand même, deux binômes, c'est pas très compliqué. Hein? Deux. Très bien. Ok, parfait. Sur ce... Très bien. Un ballon va rester ici. Sur ce demi-terrain, et un ballon va rester sur ce demi-terrain. C'est bon? La même équipe va être en attaque pendant un certain temps. Les blancs vont attaquer pendant un certain temps, les blancs vont attaquer pendant un certain temps. Ok? Toujours en système de passe. Si les noirs vous interceptez la balle, vous la posez au sol, et la blanc reprend le jeu. Ok? C'est-à-dire que vous occupez, vous pouvez défendre, mais vous posez la balle au sol, etc. Chaque fois que vous avez fait une passe, les blancs, vous traversez le terrain pour aller jouer de l'autre côté. Et vous traversez avec votre binôme. C'est-à-dire que tu fais la passe, je traverse, et toi tu traverses avec elle, etc. Si tu fais la passe, tu vas traverser, etc. Et les ballons restent de chaque côté. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Sûr? Oui. Là, tu peux le prendre dans les mains, tu as le droit, c'est les blancs qui vont attaquer. C'est bon? Ah, ça joue! Ce n'était pas clair pour tout le monde, c'est bien ce qui me semblait. On se replace. Tu as raison, je n'ai pas spécifié qu'il ne fallait pas faire de dribble. Donc je répète. On ne joue qu'en passe.
et on ne s'occupe pas des paniers. D'accord ? Je fais la passe ici, je m'en vais de l'autre côté, je vais courir, mon binôme vient avec moi. Tu fais la passe, tu viens de ce côté, etc. etc. C'est bon ? L'objectif, c'est faire plus de passes possibles pendant le temps, d'accord ? Que je vais vous donner. Vous êtes prêtes ? Ça joue. Hop. On va reprendre doucement, c'est pas grave. Hein? On a le temps. Le repas n'est pas prêt encore, donc c'est bon. Tu reçois la balle. Tu reçois la balle. Et t'attends. Tu peux pas. Eh ben, t'attends que quelqu'un vienne t'aider pour que tu fasses la passe. Quand tu vois quelqu'un qui est libre, hop, tu fais la passe. Et une fois que tu as fait la passe, tu vas où? Tu pars là-bas. Très bien. Et quand tu arrives là-bas, si tu reçois la balle, qu'est-ce que tu fais? Une passe. Et tu vas où? Là. Bien. Parfait, c'est magnifique, t'as compris. Vous êtes prêts? Allez, prenez de l'espace. Allez, go, c'est parti, ça joue. Allez. T'as pas le droit, t'es de l'autre côté, va jouer avec eux. Posez la balle, posez la balle, posez la balle. Allez, go. Allez, tout de suite, ça joue. L'autre côté, allez, bien. Allez, bien. Ok, allez, posez la balle. On tient pas, on tient pas. Voilà, très bien. Ok, oui, tout de suite, il faut aller l'aider là-bas. Très bien, tout de suite, traverse, traverse. Bien, encore, ok. C'est bien. Allez, tout de suite, tout de suite. Allez, on vient l'aider. On vient l'aider. OK. Allez. Traverse, 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 traverse. Bien, bien, encore. Bien. OK, top. OK. Vous changez. Les noirs en attaque. C'est bon, vous avez compris ? Oui. Allez, go, ça joue. Laisse la balle, laisse la balle, laisse la balle, laisse la balle. Attends, moi, je suis là. Allez. Allez, allez, plus vite, plus vite. Déplacez-vous, redonnez, regardez. Bien. Ok. Allez, 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 allez. Une fois qu'on est placé, on se déplace. Mets de la pression, vas-y, voilà, très bien. Ok, allez, tout de suite, on replace. Ok. Ok, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. C'est fatigant ? C'est normal. Alors, simplement ici, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'à un moment donné, on va se déplacer. Celui qui a la balle, il va être un peu en sous-nombre. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va regarder ce qui se passe. Il va être obligé de lever la tête et de s'ouvrir aux autres et de regarder et donner une solution. Ceux qui vont arriver, ils vont être là pour donner des solutions. Donc, simplement, à travers ce jeu, on va attraper, regarder. Parce que quand on a attrapé, on sait tout de suite qu'il va falloir qu'on redonne la balle à quelqu'un. Donc, tout de suite, vous avez le regard qui va se placer avec les autres. D'accord ? Donc, ça, c'est la première chose et c'est le plus important. Okay, pouvoir se regarder. Toujours un petit peu manque de communication, c'est-à-dire qu'on ne les entend pas trop, mais bon, voilà. Après, il faudrait le mettre en place s'il y a besoin pour pouvoir se réadapter les uns par rapport aux autres. J'arrive, je suis là, je regarde. Qu'est-ce qui se passe dans les comportements sans, au niveau simplement corporel ? C'est-à-dire que là, je suis là, ce joueur-là, tu vas défendre, moi, je vais arriver en pleine vitesse ici, qu'est-ce qui va se passer ? Simplement, je vais déjà poser mes arrêts pour pouvoir peut-être revenir ici. Ça, c'est les prémices du travail de backdoor, de choses comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'adapter à ce joueur-là. Où c'est qu'il est ? Où c'est qu'il va ? Il va trop vite, je m'arrête, je vais derrière lui. Il est toujours avec moi, il est loin derrière moi, je réussis, je vais pouvoir trouver la passe. D'accord ? Ce sont des choses très simples, mais à travers les jeux comme ça, ils vont se développer. Bien sûr, c'est pas en faisant un de temps en temps que ça va fonctionner, mais il faut que ce soit quelque chose de récurrent. On va faire la même chose, on va aller dans d'autres choses. Maintenant, les noirs, vous allez être en défense. On fait le même jeu, sauf que les noirs, vous restez sur votre demi-terrain. Balle blanche, même jeu, même principe.
C'est bon? Sûr, hein? Même principe. Je fais la passe, je traverse. Sauf que là, les joueurs ne sont plus des défenseurs attitrés, puisque vous allez être des fois en surnombre, des fois en sous-nombre, etc. C'est bon, les noirs, vous défendez que sur ceux qui sont sur votre partie de terrain. Vous débrouillez, vous faites comme vous voulez. J'ai pas de consigne. Les blancs, à chaque fois que vous faites une passe, vous traversez. C'est bon? Go, c'est parti. Voilà, regarde, regardez ce qui se passe. Regardez. Voilà, regarde. Voilà, bien, très bien. Tout de suite, déplacez-vous. Allez. Allez. Run, hop, allez, hop, très bien. Retrouvez une solution. Bien, voilà. Regardez. Encore. Bien, c'est pas mal. Attends qu'il est passé. Voilà, bien. Regardez, tout de suite. Regarde où elle est. Bien. Ok, traversez. Pas mal. Encore. Ok. Allez, encore. Allez. Bien. Allez. Eh oui, tout de suite. Et top. On change pour que vous fassiez. Les blancs, vous étiez en défense. Donc, bien sûr, il faut pouvoir décompter, hein, d'accord? On compte, on essaye d'avoir quand même à chaque fois quelqu'un qui gagne, quelqu'un qui perd, parce que c'est l'objectif aussi du jeu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait un vainqueur et un perdant. Okay, donc ça, c'est aussi important. Donc il faut simplement compter le nombre de passes. Voilà, là aujourd'hui, c'est juste pour la démonstration. C'est comme ça. Vous êtes prêts? Go, ça joue. Allez. Tout de suite. Voilà, elle est disponible. On se rend disponible tout de suite. On a lâché la balle, on se rend disponible. Très très important, si on veut développer un jeu de passe. Bien. Allez, encore. Tout de suite. Allez, très bien. Ok, se déplacer, donner une solution. Bien, encore. Oui, encore. C'est ça. Allez, bien, c'est pas mal. Ok, top. C'est bien, très bien. Donc bien sûr, vous mettez une durée, 30 secondes, 40 secondes, 45, 1 minute, 2 minutes, ce que vous voulez. Ok ? En plus ici, là vous avez un exercice qui va un petit peu, notamment quand ils se suivent, qui va un peu puiser. Donc après, regardez par rapport à ce que sont capables de faire vos joueuses pour pouvoir le mettre en place correctement. Il ne faut pas que ça ressemble à n'importe quoi au bout du bout. Donc voilà. Sur le travail, au niveau de la passe à 10, par exemple, on peut évoluer sur d'autres choses. Pareil, il peut y avoir des contraintes. On peut rajouter un dribble pour pouvoir se dégager. C'est-à-dire que si on se voit que les joueuses ou les joueurs sont toujours comme ça et qu'ils se tournent au ballon, il vient défendre. Et à chaque fois... Puisqu'on interdit le dribble, et bien à chaque fois, il y a ce comportement où on se... Là, donc bien sûr qu'il va falloir à un moment donné travailler au niveau des appuis, mais si c'est trop difficile, ben, qu'on leur permette de faire un dribble pour pouvoir permettre de se dégager et pour pouvoir jouer, pourquoi pas. Après, on peut l'adapter et mettre des choses en place. Ok ? Jeu suivant, qui pour moi, c'est ce qu'on appelle la balle au chasseur. Enfin, pour moi... Après, on peut l'avoir, là, on l'appelle comme on veut. C'est le jeu qui me permet d'évaluer tout de suite vers où je vais pouvoir aller un petit peu avec l'équipe que je peux entraîner, etc. Et vers quelle progression on va pouvoir mettre en place. Pour moi, il est primordial. À travers ce jeu-là, il me permet de voir plein de comportements différents. Donc, je vais vous les expliquer au fur et à mesure. D'accord ? C'est ça qui est important. Le jeu, il est très simple. On va rester sur deux équipes. Ça suffira. Quand on est un peu plus, d'accord, 12, 14, 15, 16, c'est intéressant. On peut faire une équipe, vous faire trois équipes, quatre équipes, etc. Donc, le premier ici, c'est très simple. Vous allez les blancs, vous allez devoir éliminer l'équipe noire. Ok ? Pour les éliminer, vous devez les toucher avec la balle. Pas lancer la balle, les toucher avec la balle. Ok ? Vous n'avez pas le droit de dribbler. C'est bon ? On va rester sur demi-terrain. Voilà, pareil. Les contraintes, on peut les mettre plus longues. On peut faire sur tout terrain, demi-terrain, quart terrain, enfin ce que vous voulez. Mais là, on va faire déjà sur demi-terrain. Faites une technique alors. On peut intercepter ou pas ? Pendant ce temps, non.
Donc là, c'est intéressant parce qu'on on va voir quelles stratégies ils ont pu mettre en place. Ils ont pu mettre en place, pardon. Mais voilà, c'est intéressant aussi pour ça. C'est-à-dire qu'on va essayer de voir ce qui s'y passe. Vous êtes prêts? Oui. C'est parti. Quand on est touché, on est éliminé. Bien. Ok, bien, bravo, c'est bien. Allez. Très bien, c'est pas mal, c'est bien. Sorti, éliminé. Allez, c'est pas mal. Bien, très bien, c'est pas mal, c'est bien. Ok, top, parfait. Allez, les noirs en place. Les noirs, comme vous êtes super forts, on va jouer sur tout terrain. Gars, ça joue. Pas super fort, je sais pas, mais... Allez. Bien, encore. Allez, bien. Très bien. Ouais, quand vous êtes touché, vous êtes éliminé. Hein? Oui, allez voir. Allez. Ok, top. Bougez pas. Très bien. Buvez un coup, très bien. Restez là, ceux qui sont là, restez là. Donc, c'est pas grave, on va s'arrêter là-dessus. Donc, l'intérêt, ok, là déjà, moi, ce qui m'intéresse, c'est se déplacer dans des passes où on va essayer de quadriller un joueur. D'accord? Si vous restez à côté du joueur pendant tout le jeu, ça va pas marcher. Donc, à un moment donné, il va falloir faire progresser le ballon pour arriver à se rapprocher de lui. Qu'est-ce qui va se passer inconsciemment? Il va falloir déjà se regarder les uns avec les autres. C'est-à-dire que si je ne regarde pas celle avec qui je vais pouvoir jouer, forcément, ça ne va pas marcher. Je ne vais pas attraper la balle, etc. D'accord? La deuxième chose qui est importante à travers ce jeu-là, c'est la vitesse de balle qu'il va falloir utiliser, de la vitesse de passe. C'est-à-dire que si je veux venir toucher quelqu'un qui va être en mouvement, il va falloir que je redouble de passe le plus vite possible pour pouvoir aller le toucher et en même temps se déplacer. Ça demande beaucoup de contraintes, d'accord? Mais à travers ce jeu-là, on va tout de suite voir les gens qui vont pouvoir se déplacer les uns avec les autres pour pouvoir arriver à un objectif de toucher le joueur ou la joueuse. Donc là, ça devient intéressant. Et en plus, on va être obligé d'être en mouvement. Donc là, j'ai mis sur tout terrain. Vous pouvez bien imaginer qu'on peut faire sur plus petit terrain, etc. Vous pouvez mettre plus de monde. Vous pouvez mettre d'autres contraintes, c'est-à-dire que tous les joueurs chassés, peuvent avoir un ballon aussi, comme ça, ça va ralentir un peu leur progression, donc ce qui va permettre aux autres d'être plus faciles peut-être, etc. etc. Donc toutes ces contraintes-là sont intéressantes. Okay, c'est un jeu qui est très simple, mais qui est plutôt bien fait. Hein, il était plutôt bien fait là. Ils ont une stratégie, donc ce n'était pas inintéressant, c'est-à-dire qu'ils ont ciblé quelqu'un. Hein, si je ne me trompe pas, vous aviez ciblé quelqu'un, les Blancs? Ouais, les noirs aussi, d'accord? Donc ça aussi, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va peut-être cibler quelqu'un. Est-ce qu'on est capable de tenir tout le long? C'est-à-dire qu'on a ciblé quelqu'un, est-ce qu'on va le tenir? On se dit, ah tiens, il est à côté de moi, est-ce que je peux peut-être pas le prendre? Donc voilà, donc tout ça, c'est des choses qui sont intéressantes et qui rentrent en jeu. Ok? Pour avancer, pareil, dans un savoir jouer ensemble, collaborer les uns avec les autres. Ok? Donc ça, c'est intéressant. On va faire le même jeu, pareil, sauf qu'on va rester sur 2 minutes. Sauf que maintenant, vous avez le droit d'intercepter la balle. Si vous interceptez la balle, vous qui devenez chasseur.
D'accord ? Et on change de rôle. C'est bon ? Pareil, quand vous interceptez, c'est vous qui changez de rôle. Donc là, il va y avoir une chose supplémentaire, c'est qu'à un moment donné, je vais pouvoir être touché, mais en même temps, je vais pouvoir essayer de voir si je ne peux pas intercepter la balle dans leur transfert de balle. D'accord ? Donc il y a, c'est le niveau un tout petit peu, un petit peu au-dessus, d'accord, de jeu. Quand vous êtes éliminé, pareil, vous sortez, vous allez boire un coup si vous voulez, et on essaye de voir quelle est l'équipe qui va éliminer l'autre en premier. Allez, go, c'est parti. Non, demi-terrain. Même jeu, hein ? Allez, même jeu, c'est parti. Et allez, allez, voilà, c'est bien. Allez, et on se déplace. Allez, allez. Vite, vite, la balle, vite, la balle. On se déplace, on regarde. Ok. Allez, ouais, t'es touché. Allez, Blanc, va falloir intercepter la balle si vous voulez changer. Va falloir intercepter la balle. Allez, allez, allez. Après. Oh. Allez, allez, encore, encore. La dernière chance. Forcément, il y a un peu de déséquilibre aujourd'hui. Regarde là-bas. Ok, tu aurais pu te libérer. Allez, on recommence une deuxième fois. Allez. Allez, les Blancs. Allez, c'est parti, les Blancs. Allez. Ah. Hey, sortez les mains. Sortez les mains. Trouvez solution. Allez. Bien. Balle blanche, balle blanche, go, 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 allez, balle blanche, c'est parti. Attends qu'elle soit sur le terrain, allez, ça joue. Allez, faut que la balle aille vite, faut que la balle voyage, faut que la balle voyage, qu'on puisse. Allez, 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 allez. Allez, il faut bouger aussi. Donc ça, c'est la dernière chose qu'on voit dans ce jeu-là, c'est à un moment donné, l'investissement que va donner chacun ou chacune des joueurs. D'accord ? C'est-à-dire, à un moment donné, est-ce que je reste tranquille ou je vais essayer de me déplacer, trouver des solutions ? Allez ! Si on veut un jeu en mouvement, il va falloir donner toutes ces choses-là. Oui, c'est bien tenté, c'est ça ! Très bien ! Allez ! Ok, bien, bien, bien ! Allez ! Bien, 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 c'est bien, bien, c'est bien ! Allez ! Ok, allez ! Allez, je vous laisse finir le jeu. Vite, 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 vite. Plus vite la balle, plus vite la balle. Ok, vite, vite, vite. On se déplace. On se déplace. On se déplace. C'est bien, on se déplace les uns par rapport aux autres. Ok, très bien. C'est bien, c'est bien. Allez, venez là. Venez là. D'accord, donc, à travers un jeu très simple, on voit plein de choses différentes. Mais c'est des adaptations qui sont intéressantes pour aller justement. Après, vous pouvez mettre moins de monde. C'est-à-dire, vous pouvez commencer à deux. Et puis à chaque fois qu'il y en a un qui est touché, il vient grossir les rangs, et après on vient à 3, et puis etc. Et on finit, après on est un peu trop nombreux. Voilà. Okay. Bien différencier quand vous êtes dans des jeux, entre guillemets, sur les plus jeunes, où vous allez amener des choses pour qu'il y ait des vrais objectifs derrière, et puis des fois, entre guillemets, avec des seniors, qui vont servir d'échauffement, mais qui n'y a pas forcément de vrais objectifs derrière, mais qui vont par contre faire entrer dans l'activité un peu plus simple que de simplement faire un échauffement banal qui va leur permettre voilà, d'entrer dans l'entraînement, entre guillemets. Okay ? Mais ça, ce n'est pas forcément votre cas. Mais en tout cas, avec les plus jeunes, il faut pas faire le jeu pour dire de faire le jeu et dire, voilà, on s'amuse. Non, non, on sait ce qu'on va faire derrière. Ça, c'est important. Okay ? On va enchaîner. Alors, on n'est pas très nombreux. Ce n'est pas grave. On va quand même essayer. Tiens, mets-toi sur le côté. Mets-toi là-bas. Moi ? Ouais. Mets-toi là-bas. Là-bas. Et tiens, mets-toi là-bas. Donc, jeu très simple, qui pareil, quand on veut aller et fonctionner vers l'avant, et quand on veut travailler en passe, on va jouer à 3 contre 3, sur tout terrain, 3 noirs contre 3 blancs, avec l'aide de passeurs extérieurs. D'accord ? Donc vous connaissez tous, hein, c'est pas, il n'y a rien de... Voilà. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous allez avoir des supports. Ce que je vous disais tout à l'heure,
sur le travail. C'est-à-dire que là, vous allez avoir des supports pour pouvoir vous aider quand vous n'allez pas pouvoir jouer entre vous. OK ? Et donc, forcément, vous, les passeurs, vous redonnez à l'équipe qui vous a donné. Si c'est les noirs, vous redonnez aux noirs. OK ? Hein ? Sûr. Et vice-versa. Donc, on va jouer 3 contre 3 sans dribble. Forcément, sans dribble, d'accord. Et on va essayer de... Les passeurs, vous allez vous... comme on est sur un grand terrain, vous allez vous décaler un petit peu. Vous allez rentrer sur les terrains de badminton, là, dans le couloir ici. Vous ne bougez pas du couloir. Enfin, vous ne bougez pas, entre guillemets. OK ? C'est bon ? Voilà, très bien. Les passeurs, si vous faites la passe 4 mètres à côté ou 4 mètres avant, forcément, ce n'est pas bon. La balle est aux autres. Hein. On essaye de faire des passes qui ressemblent à des passes pour qu'ils atterrissent dans leurs mains. C'est bon ? Les noirs, vous allez attaquer là-bas. Et les blancs, ici. Donc les noirs là-bas et les blancs ici. C'est parti, ça joue. Ah ! Ça a mis un peu de temps, mais... Les passeurs sont toujours là. Hein. Alors, allez, jouez. Vous posez pas de questions. Vous avez... forcément, c'est un peu plus compliqué quand... Ah, prenez des tirs. Allez, go, c'est parti. Après. Regardez le cercle, prenez le tir, vous posez pas de questions, voilà, très bien. Allez, go, ça joue. Très bien, on trouve une solution. Très bien. Trouvez, regardez, les qui sont libres, tout de suite vers l'avant. Regarde ton passeur. Allez. Ok. On va rajouter une petite contrainte. On va changer passeur, blanc et noir. Allez, go. Allez, vite. C'est bon ? Donc, ces soutiens, d'accord, à un moment donné, il faut pouvoir les utiliser pour pouvoir s'entraider, pour pouvoir aller plus vite, pour aller chercher des solutions. Donc maintenant, ce que je vais vous demander, à chaque fois que vous allez faire une passe, vous allez aller vers l'avant. Vous bougez. À chaque fois que vous faites une passe, vous bougez. D'accord ? C'est bon ? Il n'y a plus personne à l'arrêt. À chaque fois que vous faites une passe, vous bougez. On attaque toujours là ? Les blancs, vous attaquez toujours là et les noirs là-bas. D'accord ? C'est bon ? Vous êtes prêts ? Oui. Ça joue. Allez, Charlie ! Allez, tout de suite. Ok, balle blanche. Allez, go. Allez, bien. Allez. Mieux. Sandré, balle noire. Go. Allez. Pourquoi pas? Tout de suite, trouvez la balle. Voilà, bien. Les blancs, vous pouvez jouer avec les passeurs noirs, d'accord ? Et les noirs avec les passeurs blancs aussi, hein ? Ils sont neutres, ceux qui sont sur le côté, c'est pas mal. Très bien. Trouvez. Top. C'est bien. Qu'est-ce que j'ai demandé quand on fait la passe ? On bouge. T'as bougé ? Non. OK ? Donc, on recommence. Vous pouvez jouer avec tous les passeurs. C'est-à-dire que les blancs, parce que là j'ai l'impression que vous jouez qu'avec les blancs, vous pouvez jouer avec les passeurs noirs, d'accord ? Et les noirs avec les passeurs blancs, hein, ils sont neutres, les joueurs qui sont là. OK ? Hein ? Donc essayez, à travers ça, pour donner des soutiens, c'est qu'à un moment donné, on ne soit... Les contraintes de jouer à 3 contre 3, si on fait un 3 contre 3 tout terrain sans dribble, les contraintes de ne pas pouvoir se passer la balle, parce qu'on ne peut pas au niveau défensif, c'est, ben, ça va nous soulager. Donc il va falloir qu'on puisse lâcher les ballons le plus facilement possible. Dans l'idéal, quand on est un peu plus nombreux, normalement, on met aussi des passeurs sous les cercles, d'accord ? Après, vous pouvez les multiplier, OK ? On peut imaginer qu'on peut donner la liberté de passeurs entre eux peuvent se faire des passes,
D'accord ? Donc vous pouvez imaginer plein de choses. Ok, on recommence ? Vous êtes prêts ? Ça joue ! On peut bien sûr aussi demander, bien, rajouter un... Bougez après ! Ça joue ! Bougez après ! Bougez après vos passes ! Donnez, bougez ! Redonne, oui, joue ! Allez, regardez, si vous êtes... Sandrine, balle blanche, go ! Allez ! Bien ! Voilà ! Trouve, ok. Top. Je bouge après ma passe. D'accord. Ok. Très bien. Allez. Donc, simplement, on peut mettre les passeurs autant qu'on veut, etc. Voilà. On va revenir parce que ça, au contraire, ça va être intéressant. Vous allez vous mettre 4 blancs, 4 noirs. Un qui sera sur le côté, on joue sur demi-terme. Ah, vite, 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 vite. Un remplaçant pendant ce temps, c'est pas grave. Allez. Très bien. On va commencer. 4 contre 4 sans dribble. 4 contre 4 sans dribble. À chaque fois que vous passez la balle, vous bougez. Je me fous. Vous jouez, hein. 4 contre 4 sans dribble. À chaque fois que vous passez la balle, vous bougez. Si vous ne bougez pas, c'est balle à... C'est bon ? Balle blanche là-bas, ça joue. Allez, go. Demi-terrain, on est sur demi-terrain. Allez, quand on reprend la balle, on reste sur demi-terrain. Stop, 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 on reste sur demi-terrain. Balle noire sur demi-terrain. Go, c'est juste pour démontrer. Allez, go, allez. Allez, balle blanche derrière. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. On redonne la balle là-bas derrière. Allez, go, allez. Ça joue, ça joue. Allez, go, balle blanche derrière. Allez, 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 vite, 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 vite. Bougez, 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 donnez une solution. Voilà, pas mal. C'est pas grave, elle joue plus, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'était le jeu d'avant. Balle blanche derrière. Mettez-vous en place derrière. Allez, go. Très bien, pourquoi pas. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Encore, noir, noir, noir. Allez. Top. Go. Très bien. Encore. Voilà. Très bien, enchaînez, enchaînez. Ok, très bien, très bien, très bien. Donc, simplement, et sans contrainte aucune, à part de ne pas dribbler, d'accord, et de donner un mouvement, après ça passe. Ok ? Donc, il n'y a rien là, hein, pendant ce temps. On est sur du 4-4 demi-terrain, et j'ai demandé simplement de se déplacer n'importe où, comme il voulait, mais simplement de donner un mouvement. C'est la base du travail de départ, d'accord ? Quand on veut aller sur des choses qui vont, entre guillemets, après, ressembler à du travail, une collaboration, entre guillemets, offensive, si on peut appeler ça du collectif, si on veut, vous appelez ça comme vous voulez, peu importe, mais en tout cas, essayer de pouvoir jouer ensemble, c'est déjà donner du mouvement. On n'est pas habitué, généralement, et il faut toujours, chez les plus jeunes, et c'est très important de le réhabituer. Alors... Moi, je suis un petit peu dans l'extrême par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on est souvent beaucoup, beaucoup en mouvement. Et quand on s'aperçoit qu'après, dans l'apprentissage, et quand on va vers le haut niveau, à un moment donné, il va falloir savoir bouger, mais il va falloir aussi savoir s'arrêter. D'accord ? Mais ce sont des étapes, entre guillemets, supérieures. Il faut déjà commencer par le départ. Et pour moi, le départ, c'est le mouvement. OK ? Donc, pour aller un petit peu plus loin par rapport à ça, on va faire la même chose, sauf qu'on va le codifier un tout petit peu plus. C'est-à-dire que vous allez être dans des zones, hein, on va imaginer... Je ne sais pas s'il y a des plots, peu importe, c'est pas grave. Ouais, mais c'est pas grave, vous allez, on va le définir comme ça.
Cette zone au-dessus, en dessous de cette ligne, il y a une zone, d'accord ? Ici, il y a une autre zone qui fait la moitié, le quart du terrain, presque. Pareil ici, c'est bon ? Jusqu'ici, et jusqu'ici, c'est une autre zone. D'accord ? On peut imaginer délimiter le terrain, etc. Et la dernière zone, c'est la raquette. Et on compte pas, enfin, on ne tient pas compte des 3 secondes, c'est une zone comme une autre. Ok ? Maintenant, vous allez faire la même chose, le même jeu. 4 contre 4, sans dribble. On va autoriser un dribble quand même par personne. Un dribble par personne. La même chose, quand je fais la... Ok ? Quand je bouge, je suis aussi obligé de changer de zone. C'est-à-dire, je suis dans cette zone-là, je suis obligé d'aller dans une autre zone. Celle que tu veux. Celle-là, bon, celle-là, ça va être un peu difficile. Celle-là. Vous ne pouvez pas être à deux dans la même zone. Vous ne pouvez pas être à deux dans la même zone. Enfin, à deux avec votre partenaire. Ok ? C'est bon ? Est-ce que c'est clair ? C'est ça ? C'est parti. Allez. Allez, balle noire, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça joue. Stop ! Je fais la passe, je bouge. Et c'est pas je bouge une fois que j'ai fait la passe 3 heures après. D'accord ? C'est j'essaye de, quand j'ai fait la passe, de donner un mouvement quelque part. Allez, noir, balle, allez, c'est parti, ça joue. Vous êtes deux dans la même zone. Top. Ah, c'est pas facile, hein. Alors, par contre, après, reviens. C'est important, c'est pas, t'inquiète pas. C'est pas... Et là, après, c'est votre rôle, vous, d'entraîneur, c'est qu'à un moment donné, si pour vous, votre consigne importante, c'est de bouger après chaque balle, après chaque passe, eh ben, il va falloir être derrière. Et c'est souvent ça qui est le plus dur quand on est entraîneur, c'est qu'à un moment donné, on lâche la chose, puisque voilà, c'est comme ça. À un moment donné, mais si vous, pour vous, c'est important, eh ben, on le garde. C'est-à-dire que là, ça fait... Là, j'ai fait passe, je bouge. D'accord ? C'est bon, on reprend ? Je ne sais pas jusqu'à quelle heure j'ai, mais... Allez, go ! Les blancs, blancs. Replacez-vous, c'est pas grave. Allez, stop, occupez, voilà. Alors, au fur et à mesure, dans la construction de quelque chose, sur des choses aussi simples que ça, c'est de donner des contraintes supplémentaires. D'accord ? C'est-à-dire qu'on est parti, je fais la passe, je bouge, je joue, je fais n'importe... Enfin, pas je fais n'importe quoi, mais je vais, je me déplace où je veux. On arrive à des contraintes où je vais passer la balle, je dois bouger dans une autre zone. Si je bouge dans une autre zone, il y a forcément quelqu'un qui va rééquilibrer. Contrainte supplémentaire, celui qui a la balle, il ne peut pas avoir de zones, entre guillemets, à côté de lui, qui sont neutres, c'est-à-dire où il n'y a personne. C'est-à-dire que, vas-y, on imagine que... Fais la passe et va bouger dans la raquette. Et reste tout tué. Reste tout tué là-bas. Reste tout tué. C'est bien, c'est ça, mais voilà. Et reste dans la raquette. Contrainte, on ne peut pas avoir ici, si un ballon est là... Cette zone-là doit être remplie et cette zone-là doit être remplie, d'accord ? Celles qui sont à côté. Pourquoi ? Parce que c'est des passes, notamment chez les plus jeunes, qui sont plus faciles, c'est-à-dire avoir des distances qui ne sont pas trop éloignées. Donc il va falloir trouver des choses qui ne sont pas très loin. Donc ça veut dire que forcément, si on ne veut pas ça, c'est que tu vas venir rééquilibrer. Donc c'est tout ce qu'on est dans les rééquilibrages et ce parti. Voilà, et tu vas simplement ressortir. Ça, c'est des contraintes qu'on va rajouter au fur et à mesure, qu'on peut jouer par rapport à ça. Ensuite, on va pouvoir autoriser, si on va un peu plus loin, le croisement dans les zones. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est-à-dire qu'on va autoriser le croisement sans ballon, c'est-à-dire je vais croiser sans ballon, et ça va être les prémices. À un moment donné, au lieu de croiser simplement, ça va être de poser, par exemple, un écran. Et là, on va pouvoir parler d'écran non porteur, si on veut aller un peu plus loin. D'accord ? Pas forcément, et pas du tout pour, pas forcément pour, ce, pour les plus jeunes, mais en tout cas, on peut aller plus loin. On peut... Dire qu'on on est d'accord avec les croisements avec ballon, et donc là, on va commencer sur le travail de main à main.
mais c'est un croisement, c'est-à-dire que j'ai fait mon Mahama, je vais chercher une autre zone, je vais chercher une zone, etc. Si on va plus loin, je fais la passe, on autorise des croisements, et là, je vais autoriser un croisement pour faire, on imagine, hein, pour les plus grands, sur un pick and roll. Si je suis sur un pick and roll, j'ai libéré mon espace, si je vais jusqu'au bout, là, je peux aller dans cet espace-là. Si je vais dans cet espace-là et que toi, tu vas t'éloigner ici, qu'est-ce que tu vas faire? Moi? Non, non, là. Non, non, mais c'est moi qui attaque, c'est pas grave. Voilà, c'est-à-dire qu'on va pouvoir équilibrer. Donc, c'est des apprentissages qui font qu'à un moment donné, simplement en délimitant le terrain, on va pouvoir donner des indications pour pouvoir avoir un jeu qui va être équilibré avec un jeu de passe et qui va aussi nous permettre de pouvoir, à un moment donné, aller vers quelque chose de plus compliqué. Dernière chose, si on autorise le dribble, on peut aussi imaginer que quand je vais dans une zone où il y a quelqu'un, on va libérer cette zone-là. D'accord ? Et donc, cette zone-là, eh ben, pareil, on va aller chercher, etc. OK ? Donc, tous ces petits prémices de travail font que vous allez avoir quelque chose, entre guillemets, d'organisé, mais avec des objectifs de mouvement, de passe en priorité. Et ce travail-là qu'on fait sur demi-terrain, moi, je fais la même chose sur tout terrain, c'est-à-dire que la même chose, c'est-à-dire qu'on travaille sur tout terrain, sur la même chose. Travail de passe, je donne un mouvement, je vais dans une zone, j'en rééquilibre une autre, alors avec des zones plus grandes, d'accord, avec des grands espaces, mais pareil, c'est-à-dire que le jeu ne s'arrête pas uniquement là-dessus. Là, c'est plus facile à démontrer, mais on fait la même chose sur un travail sur tout terrain. D'accord ? Donc ça, c'est aussi important. On va faire un dernier petit... 5 minutes ? C'est parfait. On va faire un dernier petit jeu qui est un prémisse à ça, c'est-à-dire à se déplacer les uns par rapport aux autres. OK ? Tiens, viens. Tiens, viens me chercher les couples en même temps. Viens, mets-toi au milieu. Parfait. Combien vous êtes ? Donne toutes les coupes, s'il vous plaît. Merci. Parfait. Tiens, mets-toi là. Hop. Un qui vient, vous mettez chacun une coupe. Allez, allez, chacun une coupe que je pose au sol. Combien en reste ? Hop. C'est pas grave. Alors, c'est un jeu très simple. Ça s'appelle le Danon. Le dindon, c'est celui qui est au milieu. À mon signal, vous allez devoir tout changer de place. Tu fais ce que tu veux. Les contraintes ici, c'est que vous ne pouvez pas vous déplacer à la place qui est à votre droite ou à votre gauche. D'accord ? Vous êtes obligé de laisser un intervalle. Oui. C'est bon ? Oui. Sûr, hein ? Bon. Donc, on se déplace, okay, à mon signal, vous changez de place. Celui qui n'a pas de place, c'est le dindon. T'as le dindon. C'est bon ? Vous avez compris ? Oui. Bon. Maintenant, je vais donner des signaux un peu plus rapides. C'est-à-dire que je vais dire go un peu plus souvent. Enfin, je vais vous attendre que vous remettiez, qu'il y ait un dindon au milieu. Celui qui est dindon, il s'assoit avant de se relever à mon signal. D'accord ? Donc, assieds-toi. Go ! Allez, au milieu ! Vite, vite ! Allez, 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 allez ! Assieds-toi, vite, vite, vite ! Go !
Voilà. Assis-toi, assis-toi, assis-toi. Go. Allez. Non. Ah, allez, assis-toi. Go. Assis-toi, vite, vite, vite. Go. Allez. Go. Ah, go. Ah, quand on y est plus de deux fois, ça va pas bien. Hein. Ok, stop. D'accord. Donc simplement. Donc après, faut pouvoir vérifier. Là, j'ai fait exprès pour que tout le monde participe. Bien sûr qu'on peut réduire le jeu. Enfin après, voilà, il y a que votre imagination qui peut vous arrêter. On va faire la même chose, sauf que maintenant, vous êtes obligé d'aller toucher un plot, c'est-à-dire vous faites deux fois, c'est-à-dire vous avez, quand je dis go, vous êtes touché un plot, toujours qui n'est pas à droite ni à gauche de vous, pour revenir à un autre plot. D'accord ? T'es sûr, hein ? Hein ? Donc, et pareil, on revient, si toi, par exemple, si c'est toi qui pars, tu ne pourras pas revenir au plot de départ, enfin, ni au plot de départ, ni à celui qui est à droite, ni à celui qui... Par contre, tu peux toucher et aller au plot. C'est bon ? Donc, deux plots. Un et le deuxième, on part. Vous êtes prêts ? Go ! Ah, bah, t'es le dindon alors. Assis-toi, go! Allez, go! Ah, là, 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 là. Très bien, très bien, très bien. Venez là, venez là, venez là, venez là, faites une belle ligne en face des gens qui vous ont écouté. Très bien, on peut les applaudir. C'est bien, vous avez bien travaillé. Merci d'avoir participé. Vous avez une grande journée. Ok, vous pouvez aller boire. Ramassez simplement les petits plots et allez boire un coup. Donc, voilà. L'idée vraiment importante de mettre des jeux, quels qu'ils soient, pour pouvoir développer des choses. Alors bien sûr, il y en a qui sont plus aptes. À ce jeu-là, on peut le faire avec des ballons, si vous voulez, bien sûr, il n'y a aucun souci. Vous pouvez développer la dextérité à travers le jeu, donc il y en a plein aussi. Voilà. Et si vous voulez essayer de développer... Ce qui est important, c'est pouvoir se déplacer, se regarder, collaborer ensemble. C'est le plus important. Et les jeux, à travers tout ça, c'est ce qui permet de le faire de manière facile, un peu inconsciente. Voilà, c'est les contraintes et les règles qui font que vous allez pouvoir les mettre en place. Ok ? On a deux minutes pour les questions. Je sais que tout le monde a faim. Mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. S'il n'y a pas de questions, on va manger. C'est ça. C'est bon ? On peut remercier Fabrice.